la raison doit l'emporter et l'ordre public revenir dans l'intérêt de tous. Le chantier de rénovation de la plage Jean Jaurès va donc se poursuivre, comme prévu, pour livrer en décembre 2020 une place à vivre pour tous. Personne ne passe la place. Si on est là, c'est pas pour rien. Faites le tour. Il y a la police, c'est qu'il y a un élu qui est venu rapidement. La violence n'a pas le droit de citer sur la plage Jean Jaurès comme ailleurs d'ailleurs. Nous ne faiblirons pas, nous ne plierons pas. La SOEAM ainsi que toutes les institutions qui sont impliquées dans ce projet tiennent à ce que ce projet d'envergure qui vise uniquement à améliorer les conditions de vie et de circulation des riverains, des usagers et des Marseillais se déroule dans le respect, le calme et le bon sens citoyen. Vous voyez, c'est des transformeurs pour les enfants. Et ils vont se transformer pour une fois là, qui va ressembler à un Oui, monsieur, on va vous demander de vous écarter, s'il vous plaît. De m'écarter où? Reculez, s'il vous plaît. La solution qui a été retenue consiste à ériger une palissade sur une hauteur suffisante pour éviter les intrusions et d'une solidité également suffisante pour ne pas être trop facilement détériorée. C'est la solution optimale pour garantir l'apaisement nécessaire au démarrage de ce chantier. On a envie d'une concertation, d'une expérimentation urbaine. Ils nous mettent des murs de 2,50 m de haut comme réponse, quoi. Donc bon, ça parle bien quand même de leur vision du monde, quoi, de leur monde, quoi. C'est ça, ça va être la place bloquée avec des murs de 2,50 m de haut. Alors que c'est le plus grand espace public de Marseille, que c'est le cœur du quartier. Ben... Vous ne craignez pas qu'au final, ces grandes barricades que vous allez mettre, ça... Au contraire, exacerber les tensions, dire la seule réponse qu'on nous apporte, c'est un mur de 2,50 m. Quand on fait un rapport de force, ça tend à des réponses fortes. Construire un immeuble dans des champs de patates, c'est plus facile que de refaire un immeuble dans un centre-ville. Bon, donc, si c'est pour, nous, on préfère avoir un chantier normalement. Un chantier normal. Sortons de l'émotionnel, retour au calme. Ce chantier, il va se faire. De toute façon, il se fera. Voilà, c'est pas la peine d'envoyer des jeunes en garde à vue, quoi. Ou qu'il y ait des blessés. Ça pourrait être vos enfants, vos frères, vos sœurs. Alors, ils s'amusent, c'est rigolo. Moi-même, j'ai fait 68, hein. Bon, vous étiez peut-être pas tous nés. Mais moi, à 68, j'avais pas d'idéologie. On allait là parce qu'il y avait des filles, on allait dormir dans les lycées et tout. C'est la même chose qui se passe à la plaine. Vous voulez que je vous le dise ? Qui est tombé de l'arbre parce qu'il a été dans un hamac à 2h du matin et plein de chichons. Voilà, il est tombé. Voilà, après, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir un gars qui va à l'hôpital. C'est presque incroyable de vous entendre parler. Vous n'avez pas peur d'hystériser le débat justement en tenant ce genre de propos? Parce que les opposants, d'accord, ils n'ont pas la même idéologie politique que vous, mais il y a aussi des arguments valables et vous les essentialisez à des zadistes, des 68ards qui veulent coucher avec des filles ou alors fumer des pétards. Est-ce que vous n'avez pas peur d'hystériser le débat là-dessus aussi? Parce que la réaction est aussi à la hauteur de vos propos. À un moment donné, on ne va pas répondre 40 fois à la même question. Il y a les chantiers qui se font. Sur le Vieux-Port, les gens n'étaient pas contents. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi le dialogue ne s'est pas noué pendant la concertation. Parce qu'il y a aussi ce point de vue-là de dire « ben, nous, on est du côté de la loi et les autres, ils sont contre ». Grosso modo. Oui, il n'y a aucun dialogue, mais on comprend pourquoi, effectivement.